Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espace A. Pour tout le monde qui monte avec nous, pour la première fois, pas oublier, vous pouvez subscribe et vous pouvez appuyer cloche là pour capable être connecté avec nous. Si vous subscribez déjà, veuillez bien est-ce que cloche là sur tout pour capable avoir une information que nous avons partagée. Nouvelle qui a parlé, c'est que vous avez fait connaître que eh bien, vous avez coupé visa Reginald Boulos. Reginald Boulos a perdu visa. Et nous même pas bougé là, nous là pour nous faire le point et pour nous comprendre. Ok? Et nous pas envoyer monter nous faire analyse. C'est fort souvent nous entendons bah ça dit bon il a déporté famille en fait nous entendons pas première fois entendons dit des leaders politiques de ces deux mondes qui en mouvement et que il a bah des pressions comme quoi occuper visa ou bien il dit il a menacé pour déporter famille ou. En fait nous voulons de comprendre d'abord ça ne va le faire nous va entendre justement Gary Henry qui était bah une nouvelle là. Ensuite nous même n'a fait le mot du doigt n'a fait analyse entendez ensemble Gary Henry. J'ai appelé le général Boulos dans la matinée, les gros informations qui disent qu'il a bloqué visa. Moi, le général Boulos, gros informations qui disent qu'il a bloqué visa, est vrai? Par contre, il doit laisser informer. Bon, on attend pour nous confirmer si c'est vrai ou pas, bloqué visa, monsieur. Bali, Bolova! De Jovenel Moïse. Je me souviens pendant que New York, on a parlé avec Jean-Ismaël Valestin. On a dit Jean-Ismaël Valestin comme ça. Jovenel Moïse, ce n'est pas l'ami du blanc. Jovenel Moïse, ce n'est pas le serviteur du blanc. Jovenel Moïse n'est pas le chouchou du blanc. Jovenel Moïse est le blanc. Sous quoi mentiment de Yuri la Toti, Bali, Bolova. Parce que vous connaissez, ce qui là, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas pour grand merci. Michel Soukart a dit, monsieur, yo, si nous besoin jeter Jovenel, prends direction ambassade là. 17 octobre, les Jean-Charles Moïse annonçait qu'il allait devant ambassade là, me dit mais vrai goumer. Nèg va parler à blanc. Est-ce qu'on est Jean-Ismaël Valestin ou t'es là ou t'as suivi tout? On est saisi seul Jean-Charles Moïse qui prend direction là. Vous cantez la parole. Seul Jean-Charles Moïse qui prend direction. Explique gros comment il prend. C'est ça peut étonner mon pile. C'est le radio PAMNA. Zenith FM. Pas couvri. Me dit, quiète. Parce que bon, m'expliquer ça que t'es fait déjà. 29 novembre 2013. Gary Henry, directeur à l'information de Zenith FM à l'époque. En fait, nous-mêmes, nous pensons que l'important pour nous. Éclairci, bah, ça, c'est bien mon café, vous voyez, monter, sous causer ça. Causer, vous coupez visa tel monde, ou bien, mon agon famille, aux États-Unis, vous pouvez le déporter. En fait, nous voulons que mon capitaine de nous ouvre tête, vous comprenez bien. Si nous en Haïti, vous voyez, monter en pile. Qui j'en ai? N'a pas appelé, ok, pas bon ici. C'est un pays de droit. C'est pas même gens avec en Haïti. Comme quoi que mon contact, mon sénateur, vous comprenez, quand font bagay qui illégal, n'importe moun kan an show, sou font bagay qui en dehors de la loi, tout moun gen droit. C'est ça vous comprenez. Par exemple, gen ou di Gouliani, présentement là qui kan an problème, parce que l'il tal deye, très bien, ou di Gouliani tal deye mande, on demande visa, oui, mais yon règle, c'est gros. Avocat du président en tant que tel. Bon, t'as dit normal, et j'ai un gars d'influence, et bah, on visa. Peut-être, monsieur, à l'un département d'État, l'allemand dit, on visa, pour yon moun en Ukraine, bagay sa sout, fait monsieur à l'un prison. Parce que, le a posé département d'État, il dit non, gon processus, mon a besoin d'un visa, il prend l'un consulat, gon interview, gon processus. C'est comme ça, lié. Ça veut dire que ça, de manière légale, on moun bagay dit souvent contact, moi. C'est sous-qualifié pour yon baou. Yon consul, kap analyse dossier ou, c'est un de choses. C'est comme ça. Maintenant, on pose bagay la. On pose question. Avant de parler de déportation, on parle de couper visa. D'abord, on nous dit pour yon baou visa, pas grand ken côté écrit, pas rien doit aller à baou visa. Visa, c'est officier, à suivant discrétion, kap analyse et puis le décider. C'est pas un droit, c'est ça que nous dit d'abord.
visa visiteur, ce n'est pas un droit. Il faut mettre la différence entre visa visiteur lorsque vous avez une résidence. Résidence, c'est un droit parce que vous avez une pétition depuis que vous avez rempli condition ABC pour supposer la résidence parce que la rentrée maman, le papa, le madame. Mais lorsque vous demandez un visa, c'est à la discrétion de l'officier. OK? C'est ça, vous comprenez. Officier, c'est d'ailleurs, ou qu'on a fait demande visa, on va les visa pour vous avoir une quantité au balai. Il va supposer qu'on quota. Il va pas supposer dépasser. Donc, si vous dépassez quota, vous te mettez rempli condition X, Y, pas gagné encore. Vous comprenez parce que son quantité au bail. C'est quoi, vous comprenez. Maintenant, et qu'en est-il pour couper visa? Nous voulons dire, s'il est vrai que vous avez une discrétion pour vous avoir visa, mais vous n'avez pas qu'à couper visa en écrit quoi, ou me couper. Il faut qu'on fasse une infraction. Ça, c'est un bon bail là. Parce que vous êtes capable de poursuivre mon life si vous coupez visa, vous n'avez pas qu'à constater. Il faut que vous ayez des raisons valables, une infraction qu'on fait dans la clause qui te gagne. Dans la clause qui te gagne. C'est comme ça, vous comprenez. Par exemple, vous remarquez, Winchell et Winchell, c'est un problème, c'est le fait que vous avez un visa. Et puis là, le travail, c'est un des choses qui n'est pas de gain en tant qu'artiste, c'est un des choses. Il n'y a pas de visa, peut-être ça. Parce que vous n'avez pas venir sous visa ici, et puis vous rentrez dans, comme j'ai dit ça, dans un contrat. Vous tombez à faire contrat comme employé. Mais illégal, il y a des clauses. Comme ça, tout, ça peut arriver que si vous avez un visa et que vous jouez dans un gang, dans un drogue ou dans un mauvais acte. Donc c'est ça, vous comprenez. Non. Je dis, si par exemple, vous commencez à recouper visa, vous êtes capable justement de faire appel avec. Vous n'avez pas qu'à couper visa comme ça. Pas quitter le monde qui a fait ma caca. Consulat pas qu'à arrêter comme ça. De manière que je vais couper visa, monsieur, parce que monsieur a quelle telle position politique. Il est complètement illégal. C'est ça, vous comprenez. On parle de déportation. Bon, ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Parce que vous avez pensé que. Parce que, quel que soit le côté dans le monde, on comprend les familles. Moi, je pense que. Et on officier qui doit prendre, on s'en va à Haïti, me déporte. Ça n'a pas qu'à faire, non, mes amis. Il y a un pile de monde, tout. Il y a un peu de famille en Haïti. Il dit, bon, je me déporte, je vais à Haïti, je saisis la résidence. Tout ça, on va faire. OK? Ça, vous comprendre. Il y a les deux process, les principes, les processus, là, on parle de déporter le monde. Le monde, il y a un droit pour t'en dire. Parlez bien ça, là, là, parce que vous comprenez bien. Ça veut dire, dans le cadre de déportation, d'avoir son autre histoire, puis vous avez bon raison. C'est bon, vous avez fait, vous avez pour aller devant un juge, pour aller défendre, vous avez un argument. C'est ça pour nous comprendre. Là, mon Abdou, vous m'avez fait déporter, vous dites, non! 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 Ou pas qu'à, quel que soit mon nier, il va qu'à dire, l'a fait déporter sans que, ou pas enfreindre la loi. Ou pas enfreindre. Ça va qu'à faire. Ça va qu'à faire. Il y a des raisons possibles. Si vous avez des problèmes, vous êtes déjà dans le show, dans le show. Il y a des gens qui sont dans le pays, ils sont déjà illégaux, ils ont des problèmes, ils ont quitté. Vous comprenez? À ce moment-là, durée, attendez bien, ça sent l'autre histoire. On a dit qu'ils viennent rester ou sous visa ou dans le pays illégal. Bon, ça peut arriver que vous choisissez en force la loi. Attendez bien, la parole de cadre. Bon, même là encore, les gens sous visa sont, c'est, attendez bien, à ce moment-là, durée. Gon processus, ou pas qu'il y ait tap ouvre l'Haïti, ou faut attendre l'objet de un juge. Gon doux process. Est-ce que nous connaissons en moyenne, les prix déportés au monde, pour tout processus là, en moyenne, il faut aller en 2 à 3 ans, toute étape là. C'est faut nous informer tout. Si les journalistes sont vous monter. Parce que ça y a un individual urine, gon master urine, gon ensemble de processus. Et ça vous connaît tout le monde qui a vous monter. Système immigratoire, la gon backlog qui vient faire que officier pas capron bien rapide. Donc, l'on paye de déportation, son bagage qui prend pile temps avant pour yon prendre dernier final order of deportation, final, dernier décision pour déporter moun nan. Et moun nan va l'avocat, bon ensemble de relief, moun nan ka appliqué pour asile, bon ensemble de bagage moun nan ka fait. Si moun nan par exemple gen petit li ki yon citizen, ça va dépendre de nan ki statut moun nan te gagne, li même de conseil à avocat li, yon capable qui type de relief que le capable appliquer. Donc c'est comme ça vous comprenez. Donc monde tout le temps en fait, c'est tout le temps attend des histoires ça, je dis bon, monsieur Abad, quand il va le voter madame, c'est une blague. Comment on va le voter madame? Il va le voter madame, il va le voter petit. Ça veut dire. Ça veut dire. C'est comme quand Dadou, son pays, il a arrêté au fond injustice. Non.
Non, ou gen doa. Ou gen pou al devan juj. Se son base de doa. Sa pa ka fèt. Dok si span voye monte, le ap di yo, e si tel moun al fè tel bagay, e ap depote madame ni. Nou, gen yon dou proses. Fò nou apren konen ki jan depotasyon fèt. E ba an klak an le doa. Sa ka arrive par exemple, nan kat de posi depotasyon yon areto, si ou mèm ou si yon papye, ou di ke bon, ou vle vou ekspedit ou pa nan bon bagay, sa se ou. Sa se ou. Men gon dou proses. Ki yon sa pou nou kompran ni. Donk, fò moun yon sispan vwe moun tele ap di ke tel lider politik yon wale depote madame ni. Come on, guys! E se ou imagine nan tèt ou, nan, on an peyi le doa, on baka kon akap ap fèt. Man ta di ke mari la fè de zot, tout moun yon depote, ap fè de sa zot. Tout moun pa peyi pou pou kase. Ou ki mari la fè moun baka an Haiti, whatever, papa moun la fè moun baka an Haiti. Ok? Bon, mèm le papa moun sa ta nan drog, papa le ta an gang, sa ba angaje l, sa ba angaje l, li mèm ta bo yisit, li, an da dit son rezidant, li yon akon avèk la lwa, l pa fè anket bagay woun. E sa, moun yon din. Donk nou te vle ekler si pou sa, pase chak moun an Haiti, ou konpwen ap di parol, pa yo, ap voye moun te dan yon sens pou, bay argument pa yo. Donk, se sa nou le dou pa la. Donk, koze an nou men nou pa konen men. Nou sa nou vle dou ke, si yo koupe visa regional boulos, pwiske li pa verifiye, genyen de bagay ke l viole, kon va le tan pou fe, par exemple, sou fe trop tan. Donk se sa kon sa bon kompon, sa pa levan de ki tip de visa, eske l de gon visa entrepreneur, donk se sa bon kompon, ok? Men yo pa kapab, de manye ipso facto, pou rezon politiko pou yo koupe visa, ok? Donk nou vle precize pon sa bon, non? En tout ka nou men nap opde, pwiske regional boulos di pou al gade, na konfirme, men bagal ap pale, men nou te le fè, ou analize avè ou, paske, bon, isi la yi san fè nou men. Nou eseye objektif, nou eseye ekler lantè nou pou kapab kompran bagay, ok? D'akor, donk, yon toujou di, le rete branche, konekte avèk nou, pou kapab kompran sa kap pase, sa kap pale fè. Pote nou bien.